c'est probablement le premier donjon qui est réellement difficile du jeu. Les personnages prennent pas mal de dommages. C'est pour ça que... il aurait fallu les équiper avant de venir par ici. Zombie! Ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser l'Undead Ring et la Fire Dagger. Poison. Comme on voit, ces nouveaux ennemis rigolent pas. Blues a déjà pas mal mal. Ça prend quelques dommages. Pas grave, il y a beaucoup de PV. Surtout sa deuxième forme, c'est plein de PV. Nice. Curieusement, Tia a plus de PV que de points de magie que Célane. J'imagine qu'elle a ses points forts elle aussi. Puis sa vitesse est aussi incroyable. Je sais plus si c'est elle qui a la meilleure du jeu. Je me souviens plus vraiment. Il y a un autre personnage qu'on va voir plus tard qui lui aussi a une vitesse exceptionnelle. Faites-vous en pas, il s'agit pas de décor. Décor est probablement le personnage le plus lent du jeu. Mais bon, t'as pas besoin de vitesse. C'est pas quelque chose de super important dans le jeu pour les parties normales. Dans la Ancient Cave, ça peut être un très bon attribut. De toute façon, en autant qu'une attaque soit donnée. Ben Fumi, tu prends des bons dommages. Pas grave, ça fait monter l'IP. On a un secret. Voici le Thunder Ring. Je vais l'équiper pour le moment. Ici qui ouvre la porte en bas. Ça sert pas à grand chose de bouger ce pilier là. Ici je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait la bonne affaire, fait qu'on va retourner au début. Celui-là semble être les ennemis les plus faciles.
aussi un level up. Ouais, on va revenir. Si je suis juste pas sûr. On verra plus tard. La bombe fonctionne pas. Oh merde, je viens de comprendre, ouais. Ici, puis on lance une flèche. Pas grave, je vais y revenir. Dans le trou, wouhou! Fait rien. Dans d'autres jeux, des fois, quand tu tombes par exprès, tu trouves des coffres. Mais pas dans Lufia. Mais pas pour le moment. J'ai pas regardé. Plutôt, je me souviens plus. Quoi, attaque. Marqué, elle a encore l'Aqua Whip. On l'a eu avant d'avoir Armor Dog. Donc, je peux dire avec une certaine assurance que c'est sa meilleure arme. Bon, celle-là n'est morte. Allons la soigner. Celle-là, prends une position décente la prochaine fois que tu perds connaissance. Tia va être jalouse, puis Maxime va perdre ses capacités de concentration au combat. Je sais pas ce qui m'a pris de le faire sur les 4. Les 3 auraient été mieux. Mais bon. Un coup à Fumi, ça change pas grand chose. J'ai jamais remarqué la musique du château. Toutes les musiques sont bonnes dans le jeu là, à peu près. Celle que j'aime le moins est celle des grottes, normale. Allons à gauche donc. Green clay. Bien. Faible face à la magie. Et à... J'ignore ce que Maxime a d'équipé. Bon, Solane se fait foutre une raclée encore une fois. Fumi va sensiblement... Ses coups ne s'appliquent pas vraiment aux monstres. Je veux dire, par là, les éléments, Fumi s'en fout un peu. Je pense que la défense s'applique quand même à ses coups, mais pas les éléments. Fumi est neutre. Fait qu'il va faire sensiblement le même type de dommage à tout le monde. C'est une qualité puis un défaut en même temps. Si, c'est... Ça prend pas vraiment... C'est un puzzle assez facile. Il y a un pattern. Quand tu arrives par la gauche, l'escalier va en bas. Fait que tu peux
peux le pousser comme ça. Par la gauche. Par la gauche, style de paix. Et voilà. S'il a pu sauver, fait que tu peux y aller. Faible face à l'eau. San Goran. Qui c'est que j'ai fait là? On dirait un coup de poing. Pas de one shot. Oh shit, 180. Eh ben Chris, les trois personnages sont forts face à ces Goren-là. Golem-là, plutôt. Ou oh, traduction. Mais c'est pas ça.